suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit mini vlog, tout simplement parce qu'il est déjà 17h. Mais là ce que je voulais vous filmer aujourd'hui c'était le vlog de la reprise du travail, du vrai travail avec Sapristi. Donc aujourd'hui on va aller longer Sapristi. Donc du coup aujourd'hui je vais vous filmer tout ça. Donc on va préparer les affaires et on va y aller. Pour la reprise je vais y aller tranquillement. Donc je vais juste prendre ma longe, je vais pas prendre de filet, je vais l'allonger en lit col plat. Et je vais prendre juste cette petite paire de guêtres SD Design et avec une petite paire de cloches, tout simplement pour les protéger les membres, pour éviter qu'elles se fassent mal. Du coup je vais longer en lit col plat, donc on va y aller comme ça. Je prends le lit col de d'habitude et c'est parti. Moi je vais promener. Non mais quand je dis qu'il faut rien lui laisser. Tu vas faire les courses? Tu vas faire les courses Mimi? Hein? Tu vas faire les courses Missal?
Après l'effort, le réconfort pour tout le monde. Voilà. Après une bonne séance pour mes mères. Bon, du coup, je vous fais un petit retour sur cette première séance de longe depuis maintenant. La dernière fois que j'ai longé, c'était en octobre. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc ça fait 8 mois que j'avais pas longé. Ça passe tellement, tellement, tellement vite. Et comme vous avez pu voir, elle a très, très bien réagi. Elle a été très contente de bosser. Donc au début, Sapristi, elle met un peu de temps à se mettre en route en longe, hein, comme d'habitude. Donc au début c'est trop très tranquille, qu'elle prenne le temps, qu'elle se décontracte, qu'elle reste dans l'optique de travail, de rester concentrée. Et elle a été concentrée de A à Z, vraiment sur toute la séance, elle s'est jamais déconnectée. Mistral gagnant a été super mignon à côté, il était avec ma meilleure amie pendant que ma mère filmait. Et donc il a rien dit, bon à un moment donné il a fait le tour au galop, il s'est amusé, enfin bref. Sapristi quant à elle, tout de suite au boulot, très allante. Très contente, très aux ordres. D'habitude on a un peu plus de mal sur les arrêts et là bah, les arrêts que j'ai demandé ils sont très bien passés. Donc voilà, je suis super 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 contente. Vous pouvez pas savoir à quel point ça fait bizarre en fait, parce que 8 mois bah, en même temps c'est long mais c'est passé tellement vite que je m'en suis pas rendu compte. Donc voilà, je suis vraiment très très contente. Voilà. On va continuer à longer en lit col plat pour le moment, je vais pas l'enraîner, je veux qu'elle recommence à travailler tranquillou comme ça pour le moment. Donc je pense qu'on va faire 2 semaines de longe en lit col plat et après on va commencer à inclure un petit entraînement pour qu'elle vienne un peu s'étirer un peu plus vers le bas comme ça, parce que Sapristi elle a pas une morpho facile à bosser. Mais voilà, donc, puis si jamais il n'y a pas besoin de rendement, bah, on n'en rendra pas, ce sera très bien. Mais on commencera à inclure des petites barres au sol, courant, bah, je pense fin de semaine prochaine. Donc voilà. Après la petite longe de Sapristi, du coup on a fait le tour du paddock avec Mistral Gagnant pour qu'il continue à apprendre la marche en main. C'est pas tout à fait acquis, mais ça l'est presque. La prochaine étape c'est qu'il commence à marcher, mais sans sa mère. Bon pour l'instant on n'y est pas encore, tout simplement bah, parce qu'il est encore trop dépendant d'elle. On peut pas le travailler sans elle, entre parenthèses, donc le moment viendra quand il viendra, mais pour l'instant le fait qu'il marche en main en la suivant c'est déjà très satisfaisant. Il n'y a pas non plus des masses de poulains qui font la même chose que lui à son âge. Je vais pas le brusquer dans l'apprentissage, donc on fera étape par étape. La prochaine étape sera qu'il marche de façon plus fluide encore, parce que là bon il a tendance à s'arrêter un petit peu, repartir. En fait c'est vraiment juste le fait qu'il démarre et après c'est bon, une fois qu'il est démarré il est parti, mais il y a toujours ce petit démarrage un peu plus lent, mais voilà, c'est rien de bien méchant, ça va venir. Je vais vous montrer sinon un micro haul, j'ai 2 articles à vous montrer, des articles que j'ai achetés d'occasion à des amis, je vous montre ça tout de suite. Donc le premier article de ce mini haul, c'est un Nicol que j'ai acheté d'occasion lors de la chaîne La Minute Poney. Donc voilà, c'est un Nicol à carreaux rouge bleu marine, là ça ressemble un peu plus noir que bleu marine, et blanc avec de la fausse moumoute. Donc je l'ai pris en taille Shetland pour Mistral Gagnant parce que les tailles poulain ça lui va, mais bah ce sera un jour où ça lui ira plus, on vous lui mettra celui-là à la place des Nicol taille poulain, mais il y a encore le temps parce qu'il me paraît vraiment grand, même serré au maximum. Donc voilà, je le trouvais trop beau, donc je l'ai acheté à Laure. Donc Laure, si tu passes par là, je sais que tu passeras, merci à toi encore. Donc il y a la petite longe assortie en bleu marine, donc voilà, moi je suis trop fan. Hop, donc premier article que j'ai acheté d'occasion. Et deuxième article que j'ai acheté d'occasion, du coup, ça s'agit d'un tapis HKM motif Burberry beige. Donc ceux qui ont vu ma vidéo sur les tapis, vous savez que j'ai déjà ce modèle là, mais en fait je l'ai en gris et je le cherchais en beige, mais tout simplement ce modèle là ça fait des années qu'il est sorti, ça fait des années qu'il ne se fait plus. Donc du coup j'ai un peu peiné à le trouver d'occasion, et en fait bah, l'occasion s'est présentée qu'une copine le vendait suite à son déménagement. Donc du coup je lui ai racheté et je l'ai reçu ce matin. Donc voilà, il est trop sympa. Maintenant je vais me calmer sur les tapis à acheter parce que j'en ai une tonne et je ne monte même pas à cheval pour ce, bah, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.